Maître Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno. Et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais nous rire! Ben oui, ben oui, ben oui. Wow! Bruno! On invente, on est un... Ouh! Personnage, bonsoir. Bonjour. Bruno. Comment ça, allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va bien, belle semaine? Oui, ça va bien, oui. Très bien, Bruno. Écoute, je jouais pas tout à fait. Là. Je suis un peu fâché. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une chronique un peu sérieuse aujourd'hui. La situation est critique dans les hôpitaux. Oui. On n'a pas envie d'être malade, nécessairement, mais des fois, on est malade. Et des fois, on n'a pas le choix d'aller à l'hôpital. Mais là, des fois, étant donné la situation, on n'a plus le goût d'être malade soudainement. Mais malgré tout, il y en a qu'il faut qu'ils payent pour les autres. Et en tout cas, on écoute ça. Bon, suivant. Madame Tremblay. Madame Tremblay. Madame Tremblay. Madame Tremblay. Madame Tremblay. OK, d'abord. Monsieur. Ciao. Oh. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se sont mis à engager n'importe qui. Ben, c'est ça. Pour aider à désengorger les hôpitaux. Ben oui. Et vraiment n'importe qui. On ah, oui. Ouais. C'est comme, j'ai comme bien mal. C'est comme dans l'aine, là, comme ils disent, de l'appendice. Là, c'est parce que, ben, moi, c'est parce que ma mère me dit, quand t'avales ta gomme, ça va là-dedans. Là, je parle en trois volées, ici. Ça, c'est des mots de niaiserie, ça. Ah? Ouais. J'étais là à l'université du Michigan. Non, ça, c'est un concours d'hot dog que j'ai gagné. Ah? Ouais. Il me semble que je reconnais votre voix, vous. Vous seriez pas quelqu'un de connu? Mm-hmm. Vous seriez pas Mario Lemieux, le célèbre joueur de hockey? Définitivement, je suis Mario Lemieux, le célèbre joueur de hockey. Ah, oh, fuck. Hey, la situation est très, 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 très dure. C'est sûr. Et pour se détendre, pour terminer, on va finir avec un jeu. D'accord. J'ai pensé à un petit jeu. On demeure dans le contexte de l'hôpital. Ouais. On a encore ici, combien est-ce qu'il nous reste de temps? Oh, en masse, c'est beau. OK. On pourrait, une salle qui pourrait être bloc opératoire ou une salle d'attente, mm-hmm. Ou un endroit où on pratique des expériences. En tout cas, je vous montre une image et vous essayez de deviner qu'est-ce que c'est. D'accord. Regardez-la bien. Qu'est-ce que c'est? Mm-hmm. Est-ce que c'est une victime du virage ambulatoire? Mm-hmm. Est-ce que c'est une contorsionniste? Mm-hmm. Mm-hmm. C'est moi! Oh, boy! Merci beaucoup, Bruno. Ouais. Vous nous avez eu, là! On s'en va faire une pause!